Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Trésor Poutou pour habiter dans le football professionnel? Quand on parle football professionnel, tout le monde a déjà un championnat éminé, un championnat éminé en Angleterre, en France. Et là, on n'est pas là que Trésor Poutou habite. Est-ce que Trésor Poutou a bien géré et pas Moïse Katumbi? Est-ce que tu as dit que la légende de tout puissant Mazembe pour la Trésor Poutou et Kokaki? Là, je ne sais pas. Je me souviens une fois que le roi dit Trésor Poutou a un talent plus que Samuel Eto'o. Trésor Poutou a un talent plus que Didier Drogba. C'est Claude Leroy et à bas propos, il y a Claude Leroy et Moutalouba et Moubou. Il est presque 12h, heure de Kinshasa, heure Oyoto préféré. Kobeta di solo ya oyo ezali émission na bino parlons de légendes émission oyo rendaka hommage to fierté na ba onyonso ba sala musana na bango kitoko d'aller passer même ba obaza ko continuer ko sala musana na bango alors ceux qui osa parmi ba légendes ya discipline moko topé ezali musique script décorateur photographe pourquoi pas te rendre hommage lokola tomona ba papa na biso lufwa ba Alfred Liyolo et bazali tellement belle ba photo toga pourquoi pas to rendre ba mon hommage na ba édition ezali koya alors aujourd'hui to préféré pour rendre moko ya ba légende ya football les diables les monstres nenge moko na moko mesana ko benga e les autres papa soda et ba misusu ba benga ka e noki mais on a préféré choisir Trésor Poutou Mabi, qui est le monstre, le diable, les légendes de tout puissant Mazembe. Oh, Asali, bonjour, bon temps, na équipe chère, y a le chairman Moïse Katumbi Tchapwe. Et pendant plus de 15 ans, il y a carrière, oh, Asali, a passé, tout puissant Mazembe. Oazaka Bongo, tout fait, tout flamme, avec Palmarès Moko. Et tout cela n'est pas le bac à palmarès moko costaud palmarès moko digne à légende alors le loto préféré pour rendre hommage pour rendre Trésor Poutou Mabi Oazali légende alors pour n'a pas au Trésor Poutou Trésor Poutou est bel et bien né un certain 10 décembre 1975 na Kinshasa précisément et je vais préciser le mot. Il y a certaines personnes qui ont fait 13 ans pour tout le monde et tout consommé. 13 ans pour tout est bel et bien né à Kinshasa. À Kinshasa précisément, Nanjili Saint-Thérèse, où il y a fief, il y a carrière, football, il y a connaître pas mal de clubs. C'est vraiment un club où il y a une minute. Mais avant de parler de 13 ans pour tout, les enfants ou les camarades, les amis de 2005 à nos jours, qui était Trésor Poutou. Tu as juste pour la mémoire, il y a vraiment Trésor Poutou bien aimé. Oh, il y a au moins les solos à Trésor Poutou. Alors, tu as un effort pour immortaliser ça. Pour que ça soit vraiment. Pour appeler histoire et comme à génération à génération. Alors, en complicité avec la régie, quelques actions, il y a Trésor Poutou et puis tous les hommes à poto décortiquer qui était Trésor Poutou. Merci vraiment à réalisateur pour les actions où
Il y a 13 hommes autour, il y a des téléspectateurs partout, surtout dans les États-Unis. Je vois comme ça, maman Grace Lumingu depuis les États-Unis. Et pourquoi pas Paola Schengen depuis l'espace Schengen. Je te dis aussi merci à mon vieux Martin Bola depuis la France, et précisément la ville à Lille. Et je te salue mon vieux. Merci pour notre séjour à Kinshasa. Et je dis aussi un grand merci à un ami, un frère qui est Jacques Ntumba Kaja, le président, le patron et le boss de JK Trans, Jean Kikaja Transport. Je te salue mon ami depuis quelque part. Alors, 13 ans pour tout, et bel et bien né le 10 décembre 1975, au Ezali Bongo 1985 à Kinshasa. Et 13 ans pour tout, à Kobanda carrière footballistique, na Ebongo, na Jacques Trésor. Jacques Trésor, Ezali, équipe moko phare, ya papa, district, ya Tchangwa, Ezali vraiment pour récupérer ba talent, yo Ezali. Et ça qui vraiment soza na talent, tu dois d'abord passer par là. Il y a tout le monde appelé Jacques Trésor, il y a des Deokanda encore qui ont passé par là, des Mbalambuta Biscotte et des Patukaba Mumulota. Baza tellement ébélé, bah, oh, bah, parce qu'il fait bon monde à Jacques Trésor. Et Trésor pour tout fait partie aussi, il y a un joueur au Jacques Trésor, américain qui bon pour encadrer. Et rapidement, Trésor Poutou sera transféré à Kamouze FC. Kamouze FC est l'équipe de la première division. Hein? Et puis, il y a le meilleur joueur, le meilleur buteur. Il y a Klebwana avec 23 réalisations. Directement, Trésor Poutou sera récupéré par Kin City. Alors, il a récupéré par Kin City dans la saison 2001-2002. Kin City est vraiment une équipe. Pas vraiment grand local là-bas, DSMP, TOP, là, il se fait club, mais il avait au moins talent, c'est vraiment là-bas, joueur, il y a talent, et Trésor Poutou faisait aussi partie des joueurs là, de ces joueurs là, au Bazaki, on a talent, on a Kin City. Alors, match remarquable, il y a Kin City, au Trésor Poutou, Beta Zaki, bon, contre Darin Clémenté, ma Pembe. Ils ont réussi à battre Darin Clémenté, ma Pembe, par 6 buts à 1. Et Trésor Poutou avait réussi à planter un doublé de 18e minute et puis la 50e minute de la partie. Ezaki Bongo réalisation à Trésor Poutou. Après, Trésor Poutou sera récupéré directement par le tout puissant Mazembe. C'est par là que Trésor Poutou a comme légende du club. Après départ, il y a un joueur Otoye Baki. Na tout puissant Mazembe, à la personne ya Kalouli qui a dit donné dans Mpanti Angola, Lofo Bongeli, et c'est Trésor Poutou qui reste le leader incontestable dans Mpanti ya tout puissant Mazembe. Il doit se faire remarquer directement na saison na 2004, malgré avec quelques pépés physiques, connaissances ya milliers, pas ya Kenda Kayebana qui vraiment te. Mais quand même, il doit réussir, hein, il doit réussir à marquer au moins 16 buts dans la saison. Et 16 buts, c'est qui bon mot, dans la tente professionnelle, il y a football, il y a Lubumbashi, il y a Maka qui bon mot, et il y a qui bon mot, 16 buts. Alors, dans la foot, ça réussit bon qu'on marque 3 buts. Les 3 buts étaient marqués face à Ma tout puissant, tout solide, Maléke, ça pardon, ainsi que Virunga Oyo. A planté qui vont doubler, ils ont les 3 buts à marquer qui vont dans la saison. Directement, c'est dans la saison 2005, au Paiwa, puis Trésor Poutou à cause là, les diables. Et Kinshasa ou République démocratique du Congo, et cause à la bombe étouffé dans le talent tel qu'il y a Trésor Poutou, Mbalambuta Biscotte, et Matoumou Nanzola Room. Donc, c'était vraiment du waouh! C'était vraiment du wa. Attendez, ils ont été vraiment terrible. Ils ont été terrible parce que Trésor Poutou sera récupéré directement par les sorciers blancs. Oh, ils ont été bon pour former une charnière et attaque. Il y a le bien à bête qui vient le soleil à être Mbalambuta Biscotte et également aussi avec Trésor Poutou à Rosala Bongo récupéré par Claude Leroy. Et directement, Trésor Poutou va se faire remarquer dans un match officiel face à Cap Vert. Na Kinshasa a marqué bongo BOP ça qui RDC avantage dans match à 2 buts à 1 parce que le match les a qui na 1 but partout et Trésor Poutou doit réussir à marquer le deuxième but de la République démocratique du Congo match au Kinde bongo 2 buts à 1
malchance, la RDC ne se qualifiera pas pour la Coupe du Monde. Mais au moins, il doit réussir à se qualifier pour la CAN. Hein, la CAN 2006, évidemment, qui bon, on a pendu l'Égypte. Et Trezor Poutou fera partie des 23 joueurs. Non seulement il sera fait partie des 23 joueurs, mais il sera aussi titulaire à côté de Trezor Loaloa Mbalambuta Biscotte ainsi que Matumon Nzola Room. Et il va se faire remarquer déjà dès la 43e minute face à Togo. Dans le premier match de Zaki Bongo, il y a la Coupe d'Afrique. Trezor Poutou a marqué la première bille. Simba à l'époque, actuellement le léopard de la République démocratique du Congo. Et c'est Trezor Poutou qui va marquer à la 43e minute avant la pause. Malheureusement pour Trezor Poutou, compétition économique, Trezor Poutou doit copier un carton rouge à la 28e minute de la seconde match face à l'équipe de Palancas Negras. Yangola avec un geste violent à la personne défenseur Kali. Trezor Poutou a causé un carton rouge. Directement, c'est fini pour lui. Carbet a sous Coupe d'Afrique était les avantis de la République démocratique du Congo et qu'on s'arrêtait bon en quart de finale face à l'Égypte. 4 buts à 1. Et Trezor Poutou a zongi na tout puissant Mazimbi. C'est par là tout le monde commence maintenant à parler de Trezor Poutou. C'est par là tout le monde commence à comprendre qui est réellement Trezor Poutou. Directement en 2007, Trezor Poutou fera partie des meilleurs joueurs de l'année parce qu'il sera bel et bien nommé meilleur buteur du monde. A marqué bon 20 buts ou à la meilleure buteur du monde, s'il vous plaît. Avec les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, les Ronaldo Nazario de Lima et Del Pirlo, Francesco Totti. Mais les diables ou les monstres africains, Trezor Poutou aussi, sa bon meilleur buteur. Il y a mondial à cause de la reconnue topé, nous devons reconnaître Trezor Poutou comme arbitre mondial et Zali IFFHS ou Zali bon International Federation of Football Historic Statistique ou Zala bon et Gira Kamakambu ya babi ba carrière ya ba joueur na saison et Trezor Poutou à Zala bon meilleur buteur de l'année. Ce n'est pas facile, il est le seul Congolais ou le seul Africain évoluant au sol africain Yakobi Mayango et il a collé Kabongo Kaka Ricardo Isaacson Leite de Santos ou Zaki Bongo Kaka Zaki Ballon d'Or Ballon d'Or européen mais Trezor Poutou a réussir Kobima vainqueur il y a trophée parce que Kobima meilleur buteur. Alors en 2007 Trezor Poutou finira bel et bien le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique donc Coupe d'Afrique Zali Ligue des champions africains, Trezor Poutou Obima Bongo, meilleur buteur avec 9 buts. Malheureusement, avant-il, tout puissant Mazembe, il faut s'arrêter très tôt. Il faut s'arrêter très tôt face à Bandeko Nabiso. Il y a Al Hilal Omdurman, il y a Soudan. Et les saisons suivantes, à cause de la Bongo Soussou, même poule, na Al Hilal, il y a Soudan. À l'époque, avec les Lomé, les Blaise. Les seuls Congolais où il va transférer 1 million. Et il sera face à Trezor Poutou. Et Trezor Poutou réussira à tripler à Soudan. A marquer bon 3 buts. Le match se soldera par 5 buts à 2. Trezor Poutou a réussi à marquer bon 3 buts à match. Et l'autre but sera marqué par Alain Kalouli, Alain Kalouli Touka, Alain Carré. Et ainsi que. Mehdi Benza, autrement dit Balay, qui va m'en marquer bon les 5 billets de la partie et Mazembe avant-il et Kosuki la Elisou sous la quart de finale. Et c'est en 2009 que Trezor Poutou sera au sommet de son art. Trezor Poutou sera au sommet de l'Afrique parce que il sera bel et bien le meilleur joueur africain, voilà. En Afrique, à Ouzala Bongo, meilleur buteur, meilleur joueur. Il y a Coupe d'Afrique, et Ligue des Champions de Tomisana Kobenga Yango, il y a Champions League africain. À Ouzala Bongo, précipité, meilleur joueur et meilleur buteur. Donc, c'était du monstre. Alors, ce qu'il faut retenir de Trezor Poutou, règne à Trezor Poutou, et vous avez vraiment
en plein ma cassité au débit là parce que raison pour tout na 2010 à vos abonnés suspension une année. Waouh, une année. Ils ont vraiment douloureux. Il y a comment la raison pour tout pour couper une année avec son ami, son frère Guilou Sadissou Yamochebe. Pourquoi azo qui suspension raison pour tout a manifesté qui geste mon coup violemment à la personne y a mais c'est l'arbitre sud-africain Blackers. Blackers sur ce toyebi, l'arbitre qui a bien sifflé les matchs entre la RDC ainsi que les Tunisie à la stade des Martyrs. Oui, c'est les messieurs qui sont autres raison pour tout agressaka alors à cause bon aussi spatia une année et retour à raison pour tout et cause à la vraiment les sous pas comme auparavant mais en tant que meilleur joueur tu peux reconnaître parce que na 2015 na 2015 à Obima Bongo meilleur buteur il y a une foot ndenge moko na 2006 na meilleur buteur il y a une foot avec 15 réalisations jusqu'à présent azan les 7 joueurs. Les seuls joueurs à Bétel na foot a marqué 15 buts. Imaginons un peu. 13 hommes pour tout. 15 buts. Donc, record, ils ont toujours avec 13 hommes pour tout. Alors, ce qui concerne l'équipe, oh, 13 hommes pour tout à Bétel. 13 hommes pour tout de 2003-2014. 11 saisons passées chez le tout puissant Mazembe. A réussi au moins à planter 170 buts en 260 matchs. Directement transféré aux côtés de Kabouchkov par une somme envasinant 900 quelques mille dollars et Trezon Poutou touchera lui-même 50 000 dollars. Oui, 50 000 dollars à salaire. Et malheureusement, Trezon Poutou foulera la pelouse qui a 15 reprises pour 4 petites billes. Et en 2016, Trezon Poutou, le trésor de la République, n'est et les managers qui tenge qui kouma mesana kobenga et les trésors de la République. Alors ça la bon retourne à tout puissant Mazembe et pas wapi a kobeta 69 matchs pour 30 buts. C'est déjà pas mal du tout. Alors ce qui concerne trésor pour toute une équipe nationale, trésor pour toute une équipe nationale, il a marqué au moins 14 buts en 53 rencontres. Trésor pour toute première sélection et Zabon on a 2000 4. Et les dernières sélections, ils ont en 2019, ils ont été en Égypte, c'est moi qui ai perdu, qui ont été 2 buts à 0, ils ont été en Coupe d'Afrique, ils ont été en dernière sélection à 13 ans pour tout. Alors, je vais vous tenir une vision rigueur par rapport à la sélection. Et ce qui est important, c'est que ceux qui ont fait partie d'une équipe, ils ont été en train de faire partie de sélection, tout le match n'a pas été en train de faire. Et tu comptes la sélection, tu comptes juste le match au joueur à Betaki. Pourquoi dans le but que 13 ans pour tout, dernière sélection, ils ont contre l'Egypte. Parce que dans le 13 ans pour tout, à Betaki 45 minutes en 2019. À Betaki 45 minutes, c'est une compétition aussi. La 13 ans pour tout, à Betaki se soutient. Donc ils ont dernière sélection. Ils ont dernière sélection, 13 ans pour tout. Alors, 13 ans pour tout, il a planté au moins 14 buts. Hein, 14 buts. Ils ont fait partie. Il y a ma meilleur buteur et la sélection nationale aux Ezali Bongo tourné par les Dieu merci Mokani Benzoa et en second c'est Cédric Bakambu avec 17 buts et ainsi que 13 ans pour tout 14 buts. Ezali Bongo troisième meilleur buteur et la sélection nationale. Alors ce qu'il faut retenir, 13 ans pour tout à sa test dans l'arsenal. Oui, 13 ans pour tout à sa test national. Et selon Adi, il y a le président, le chairman, le tout puissant Moïse Katumbi-Tchapwe. 13 ans pour tout à Mekaki Kosepelanaba. Principe, tout peut condition Arsenal. Parce qu'Arsenal a préféré prêter na Nice, Hertha Berlin, Wolfsburg. L'équipe un peu moins belle. Et 13 ans pour tout a préféré qu'il va prêter na Mazembe et Arsenal. Azaï catégorie ka boy qui en ont vraiment alors Arsenal Ameka qui bon ko lâché brise loin ils a selon Badia les tout puissants les chairman Moïse Katumbi Tchapwe et ne va mesa na ko benga. Alors na palmarès il y a 13 ans pour tout, il faut ko noter boy 13 ans pour tout Ligue a gagné Ligue des Champions mon kon a 2009 fois bima qui meilleur joueur meilleur buteur presque tout ayé ne tout
Azaki ya mwazaya une fois super coupe de la CAF, hein, super coupe de la CAF. Oye zalaka bongo wa sangisaka gagner la coupe à confédération ainsi que les gagnants de la Ligue des Champions, trésor pour tout, a réussira qui qu'on gagne le trophée en face à Stade Malien à Lubumbashi, 2-0. Et trésor pour tout, Azabon a 7 fois championnat à RDC, Topeli na foot. Et mais ça n'a pas sangisa. Babeti topi bekipi ya minene ya RDC tout entière. Azabon a 3 fois super coupe, une fois coupe de la confédération. Oyo a rapporté qui bon en 2017 avec l'entraîneur Pamphile Miyayo Kazembe. Une fois super coupe d'Angola. Trésor pour tout temps, on a transféré dans Kabushkor. A coûté Kabushkor, pas où t'as qui remporté le trophée. Et directement à Obeta super coupe et trésor pour tout. Bah, on a réussi à gagner par 2-0 et 13 ans pour tout. A marqué Bimoko. Je n'ai stade dans le match. Et en 2009, 13 ans pour tout. Voilà, important que Chan, première édition, Chan, vous avez la Côte d'Ivoire et 13 ans pour tout. A gagner le trophée parce qu'il va marquer au moins 2 buts et va livrer au moins 4 passes décisives. Et qui fera de lui le meilleur joueur du tournoi. Alors, bien, bon, meilleur joueur du tournoi. Alors, ce qu'il faut retenir de 13 ans pour tout aussi, il a été une fois meilleur buteur à l'INA Foot avec 15 réalisations, meilleur buteur mondial avec 20 buts en 2007, meilleur buteur de la Ligue des Champions 2007 avec 9 réalisations, meilleur joueur évoluant au continent et meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions surtout. Il faut retenir ça. N'est-ce que tout le Cristiano, meilleur buteur à la Ligue des Champions européens. Ici en Afrique, c'est 13 ans pour tout parce qu'il a marqué au moins 39 buts et il compte au moins 41 buts dans la compétition africaine. Mais ce qu'il faut retenir, il a 39 buts dans la Ligue des Champions. Il a un meilleur buteur, il a histoire, il a tout puissant Mazembe avec 200 réalisations. Wow. Il est meilleur, les messieurs. Et à cause de la bongo meilleur buteur. Il y a histoire, il y a Coupe d'Afrique, il y a la compétition africaine tout entière. C'est 13 ans pour tout. A Nassimanaye, c'est Abou Treika, Obisson Sotoyebaki, légende, il y a El Ali, Topé, Egypte. Et il faut retenir aussi que 13 ans pour tout, Abeta, une fois Coupe du Monde à la club. Une fois Coupe du Monde à la club. Et Chance Soura qui était parce que à Obima aussi, ça bon. Na 6e place, il y a Coupe du Monde. A quoi perdre au moins tous les deux matchs. Et puis, à quoi l'échec, il y a un de l'échec, il y a la compétition. Alors, ce qu'il faut retenir des 13 ans pour tout, c'est que les chouchous. Les chouchous de Katangé, les chouchous de Badiangwena, les titres, ils ont 13 ans pour tout dans le football. Alors, question Ezaboué. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec 13 ans pour tout pour habiter dans le football professionnel? Quand on parle football professionnel, tout le monde a déjà un championnat éminent, Angleterre, à France. Et là, on n'est pas là que 13 ans pour toi, Bétaté. Est-ce que 13 ans pour tout, Azala a bien géré et pas Moïse Katumbi? Est-ce que tu as dit que la légende est tout puissant, mais pour 13 ans pour tout, et pourquoi qui? Là, je ne sais pas. Je me souviens une fois que le roi dit 13 ans pour tout, Azala a talent plus que Samuel et tout. 13 ans pour toi, Nathan, plus que Didier Drogba. C'est Claude Leroy, il y a à propos, il y a Claude Leroy, il y a Moutaloba, il y a Mobongo. Alors, on a vu comment 13 ans pour tout, a bani carrière dans le Congo. Et après, bref passage, il y a côté à Kabushkor, il retourne dans le Congo. Alors, qu'est-ce qui vous a impressionné chez 13 ans pour tout? Qu'est-ce qui a manqué à 13 ans pour tout pour évoluer en Europe? Qu'est-ce qui a manqué à 13 ans pour tout? Pour tout le monde, il y a tout le monde à Emmanuel Adebayor à Arsenal. Alors je vous laisse cette question. Pour répondre dans les commentaires ou dans le numéro de ces affichés. Quant à moi, je dis déjà un grand merci à les réalisateurs, hein, les boss qui est René Abiri. Donc, je dis aussi un grand merci à tout le temps à Roland Abisso. Vous allez vous habituer. Toko banda obeta ka lisolo ya ba footballeur te ba basketteur pe bazali. Il y a des Mutombo Dikembe, il y a des Bismarck Biyombo. Otoko sala vraiment te ya koluka ko approcher ba mukoyi ba histoire na bango.
tokobanda kobeta pe histoire ya ba match légendaire. Ba match légendaire, ba équipe légendaire telle que ba King City, ba AC Matonge, ba AC Kalamu, ba Polino, ba ça ba équipe ça tellement belé. Il y a personne qui en parle, les équipes sont tellement belles et qui n'ont pas capoué. Alors toujours, ça les fait pour ressusciter sous l'équipe Wanato. Oh, bah fait ça comme ça, c'est moi. Bah Dragon Bilima, bah ça tellement équipes sont belles, bah Igno Bilomé, waouh, bah ça vraiment belé. Bah ça patra et pas ouais puis Joël qui moi qui a bandé là ballon naïe. En tout cas, toujours sous vraiment tant il y a pour nous capo ça là bien pour. Bon, mais qu'un peu qu'on se soubéquipe pendant la mémoire. Alors, ni déjà un grand merci à Bandeko Tou Balandi Bissou. Et n'oubliez pas à partager, à liker la chaîne Ouzaïbino Trace RDC News. Quand tu as la radio Moroté, ça la partage, mon n'a pas ta lara. Ça la rappelle partage, mon Toto Koufela, Kaka TikTok, la qui ça rappelle mon histoire à ballon. La qui ça rappelle mon histoire à Batouba, ça la mienne à Congo. En tout cas, et qu'on la vraiment très bien. Quant à moi, je vous dis déjà merci et nous allons nous retrouver prochainement. Bye bye.